Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Castelix et aujourd'hui on se retrouve, alors pas forcément sur Warframe, ça a une bonne connotation avec Warframe forcément, puisque là je vais vous parler un petit peu de la Theno VIP, donc de la Paris Games Week aussi, mais notamment de la Theno VIP, c'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, et vous allez voir que franchement j'ai passé une sublime soirée. Voilà, donc bien écoutez, voilà, c'est pour vous faire voir un petit peu les photos, donc autant de la Paris Games Week, que aussi sur la Theno VIP, et également aussi avec, entre autres, quelques abonnés, et en plus aussi de voir d'autres partenaires français. Et c'est là que vous pourrez vous rendre compte que finalement, on est une famille, tout simplement. Que ce soit autant avec les devs, etc. Moi, sincèrement, le ressenti que j'ai à vous donner sur cette superbe soirée, c'est qu'on a, j'ai rencontré des personnes formidables, qui, d'ailleurs, en fait, derrière un écran, si vous voulez, on peut avoir, alors peut-être pas des a priori, mais du coup, on peut se dire si ça se trouve, et en fait, au final, le PC, ça remplacera jamais le contact humain, et là, le contact humain, on l'a eu, et je peux vous dire que, ça n'a rien à voir, quoi. C'est tout simplement magistral, c'était magnifique, c'était, j'en garde mais que des bons souvenirs. Et là, on peut se dire que les gens sont humains, tout simplement. Donc voilà, et bien écoutez, on va commencer déjà par l'APG, par la Paris Games Week, du coup, où là, forcément, j'ai été chercher Alex. Et oui, Alex, alors attendez, parce que ça fait un petit peu flou derrière, et j'aimerais bien que ce soit un petit peu plus net. Oula. Alors moi et la technologie, ça fait 25... Voilà, là c'est net. Oui, je regardais le retour en même temps, puisque je suis sur un nouveau format aussi de vidéo, avec un nouvel appareil, etc. Celui de ma femme, de Madame Castelix, hein. Certains ont pu la rencontrer samedi soir aussi avec moi. Mais voilà, du coup, on va commencer par la PGW. Et oui, et là il a fallu aller, donc ça c'était samedi matin, et il a fallu aller chercher Alex. Donc Alex, déjà c'est simple, à 7h, Alex, donc pour ceux qui connaissent, hein, c'est Vidéo Guide Warframe FR, ou Snowercat. Il avait mal compris en fait. Moi je pensais qu'on se rejoignait là-bas, mais non, en fait il fallait que j'aille le chercher. Non, mais en plus il m'a pris pour le taxi. Bref, non, je déconne, c'est de l'humour, Alex, hein. Je sais que tu verras, donc t'inquiète pas, ça m'a fait super plaisir. Mais du coup, voilà, il a fallu aller chercher Alex, donc du coup convaincre ses parents, etc. Donc je suis parti à Suresnes, allez hop, on va le chercher. Et là, c'est parti. Là, on était content et tout, voilà, tout le monde était rassuré. On arrive à la Paris Games Week, et là, du coup, on se garde dans le parking. Donc forcément, petite photo, hein, comme on voit sur l'écran. Forcément, voilà, la petite photo qui fait plaisir de pouvoir enfin prendre, prendre une photo ensemble, tout simplement. Et puis voilà, donc après, on a mis une heure et demie à chercher Starfighter 44 et Nala Laika. Donc, on a mis un petit moment à les trouver. À un moment, ils étaient sur le stand PlayStation, puis après, ils sont partis sur un autre truc, ils étaient à Days Gone, enfin bref. Mais on a quand même réussi à se retrouver. Et du coup, là, on a passé toute la journée ensemble. Donc voilà, donc on s'est fait plaisir, on s'est pris des petites photos, d'ailleurs une petite photo sur le stand PlayStation, oui, donc là je sais, forcément, là vous voyez que la lumière violette nous met des traces, hein, sur la gueule, mais bon, c'est pas grave. Voilà, on s'est fait plaisir, etc. Ensuite, on a fait quelques petites photos aussi pour vous faire voir un petit peu ce que c'est que la Paris Games Week. C'est quand même un événement, c'est quand même l'événement le plus grand de France du jeu vidéo. Donc forcément, c'était un truc de dingue. J'ai rencontré aussi un abonné en passant comme ça, qui m'a reconnu, qui voilà. Très content, s'est serré la main et ça m'a fait super plaisir. D'ailleurs, dédicace à toi si tu me verras sur cette vidéo-là. Voilà. Sinon, à part prendre des petites photos tous ensemble, ce qui a fait plaisir, hein, avec Alex aussi. Donc là, je vous fais défiler aussi les petites photos. Et puis, il est vite 4h30, on se dit il faut être prêt pour 20h. Mais bon, du coup, on vous laisse voir un petit peu avant. Essayez aussi de croiser White Angel et Knacky, puis d'autres aussi, hein, il n'y avait pas que eux, il y en avait d'autres, mais voilà, on devait se rejoindre au Bistro 41, enfin, on devait les rejoindre là-bas,
Et du coup, voilà. Donc, ben, petite séquence au McDo, forcément oblige, hein, on avait faim, on avait la dalle, il faisait froid en plus, franchement, il faisait vraiment très très froid. Donc, c'était assez grandiose. D'ailleurs, on peut voir Alex qui avait très faim. On peut le voir sur la photo, ouais, c'est. Oui, il avait faim. Là, on a un petit Starfighter 44 qui est un peu pensif. Ouais, il sait pas s'il doit jouer avec son téléphone ou pas, mais bon, voilà. On a aussi Nala Laika qui, lui, se dit, bah, prends-moi en photo, il n'y a pas de souci. Donc, il nous fait une belle petite tronche. Et puis, ben voilà, voilà, dans tout ça, on a bien profité, on s'est bien amusé. Et du coup, eh ben, moi, je suis parti avec ma femme directement à notre hôtel pour se préparer pour le soir, pour la Ateno VIP. Et en même temps, les gars, eux, ont visité un petit peu Paris. Et après, sont partis à l'hôtel, ils ont pris des photos. D'ailleurs, merci à toi, Nala. Puis, oui, on est intime maintenant, donc je l'appelle Nala comme ça, direct. C'est mon petit belge préféré. D'ailleurs, merci toujours pour ton pot de sirop de. Merde! Ah, j'ai perdu le nom, sirop de. Non, je vais pas dire Genève, de. Bah, bref, du sirop, voilà, voilà la photo. Oui. Excuse-moi. Mais en tout cas, très bon, puisque j'ai fait comme tu m'as dit, hein, j'ai testé avec de la tartine et du beurre, etc. Enfin bon, bref, ça c'est. On est dans le culinaire, on va pas aller dans le culinaire, ça sert à rien. Et donc du coup, eh bien nous voici. Donc là, du coup, j'ai pas de photo au bistrot 41 où là il y avait tout le monde. On était tous là et on est tous partis en groupe au River Café. Et oui, et puis ben voilà. Là, on a attendu bon jusqu'à 7h30 à peu près. Et on voyait derrière la vitre Rebecca, Steve. Enfin voilà, c'était. En fait, c'était frustrant sur le moment parce qu'on les voyait. Alors surtout qu'à un moment il y a Steve qui arrive avec une grosse pancarte, touchez pas. Enfin bref, c'était. C'était pas mal, franchement, c'est voilà, ça nous mettait tout de suite dans l'ambiance de l'aspect de cette soirée qui allait être vraiment très prometteuse. Et puis voilà. Donc, eh bien écoutez, c'est simple. Maintenant, je vais vous faire défiler les petites photos qui s'est passées tout au long de cette Ateno VIP 2018. Et c'est franchement un de mes meilleurs souvenirs. Ouais, quand j'y réfléchis, c'était. Ça faisait longtemps que je n'avais pas passé une soirée comme ça avec des gens aussi humains. Alors là, je ne parle pas que des développeurs ou quoi que ce soit, je parle vraiment de la globalité des personnes qui étaient présentes. C'était tout simplement magistral, magnifique, superbe. Donc, eh bien écoutez, on va ouvrir ces petites photos avec déjà pour commencer, donc forcément, la photo avec Rebecca, et oui, qu'on voit ici. Ensuite, j'ai fait une petite photo avec Steve. J'ai fait également une photo aussi avec Hélène. Et en plus, on avait Taylor qui était là. Et ça. Bon, de toute façon, c'était prévu qu'elle soit là. Mais voilà, on était très contents. Et moi, j'ai refait une petite photo aussi avec elle. D'ailleurs, si c'est pas trop flou derrière sur le mur, c'est beaucoup de photos de l'Ateno VIP. Notamment aussi avec. On a gagné donc l'écharpe qui est de ce côté-là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a gagné? Le t-shirt avec le sigle. Spécial Ateno VIP 2018. Donc on a gagné forcément aussi le sigil. Si je me décale, vous le voyez sur le côté. Enfin voilà, on a fait vraiment, on a eu vraiment plein de petits cadeaux. C'était très sympa. Et c'est vrai que j'ai vu Rebecca qui m'a vu. Oh Castelix, my French teacher. Alors du coup, voilà, parce que ça c'était un peu notre délire dans le jeu. Donc voilà, on était super contents de se rencontrer. Taylor c'est pareil. Voilà, et puis on était avec plein de personnes, il y avait Michel, d'ailleurs il y avait Connor qui était là, donc petite photo avec Connor. Et d'ailleurs, on voit aussi Michel juste derrière qui nous fait une petite grimace. Donc du coup, je lui dis sur Twitter, mais qu'est-ce que tu faisais en fait? Parce que sur le moment, je n'avais pas reconnu, enfin pas reconnu, j'avais pas vu qu'il nous faisait une petite grimace, puis il était sérieux comme ça. Enfin bref, c'était hyper marrant, j'ai croisé Logarithme, d'ailleurs une petite photo avec Logarithme et sa femme. Plein de petites photos, là d'ailleurs, on peut voir mon petit Juju. Avec moi et Rebecca, voilà, ça c'était aussi une photo superbe. La fameuse photo aussi du Kitty Presents. Donc la voici, et franchement celle-ci, elle était tout simplement énorme. Tout le monde s'est mis en Ateno, en Kitty Presents, et c'était superbe. Franchement, c'était super. Donc voilà, là on voit des petites photos de Steve qui est en train de nous parler un petit peu des événements qui vont se passer après ce Fortuna.
Je vous ai fait aussi des petites photos sur l'ambiance générale du salon. C'était franchement superbe. Je dois avoir aussi une petite vidéo, donc je vous la mets. Hop, voilà. Donc du coup, ben, retour à tout ça, on a fait plein de petites photos, on avait White Angel, c'était super, c'est quelqu'un vraiment de très humain, j'ai pu parler avec tout le monde, ça m'a fait plaisir, je parlais avec Heavy Shadow, je parlais avec Silver et tout, et c'était franchement ouais, super, il y avait même beaucoup de monde, hein, même Hydroxide, excusez-moi, parce que je l'appelle Connor, mais c'est Hydroxide. Ce sont tous des partenaires. On a vu aussi des abonnés à nous et c'était quelque chose de vraiment magnifique. Enfin voilà, il y avait. Voilà, c'était une grande famille. Vraiment, vraiment, c'était une grande famille. On voit que Warframe, la communauté, c'est une communauté de dingue. C'est une communauté, franchement, qui est solidaire, qui est fraternelle. C'est quelque chose de super. Et franchement, c'est ça que j'ai adoré. Et j'espère, franchement, et j'invite tous ceux qui verront cette vidéo à aller vraiment. S'il y a une Tenno VIP 2019, il faut pas hésiter. Il faut qu'on soit le double, triple, quadruple de tout ce que vous voulez. Mais il faut vraiment que toutes les personnes qui n'ont pas pu venir puissent venir. Parce que franchement, l'ambiance, elle est tout simplement magnifique. On n'a pas envie de partir, hein. À un moment, Rebecca nous dit Sorry, this party is over. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire en fait que la fête est finie. Et du coup, bah, il était quoi? Il était minuit, quoi. Et on était navrés, on fait, mais non, mais nous on veut rester, enfin voilà, on est tous super bien ensemble, enfin, mais bon, au bout d'un moment, effectivement, bah, quand c'est fini, quoi. Mais voilà, on part avec un serrage de gorge, voilà, on n'a pas envie de pleurer, mais on est un peu dégoûté, parce que, bah, on est tellement bien dans la soirée que voilà. Donc, voilà, donc je vous fais défiler le reste des petites photos, et puis, comme vous pouvez voir, voilà, il y a belle petite photo très sympathique. Enfin voilà, c'était vraiment la petite photo qu'on a fait avec les partenaires. Donc Alex White, Knaki, il y avait qui d'autre? Non, il y avait Starfighter. Donc Starfighter, c'est le modo sur PS4. Il y avait Nala qui était là. Enfin voilà, c'est avec Rebecca qui nous faisait des petits trucs. Enfin, c'était hyper marrant quoi. Enfin voilà, c'était tout simplement encore une fois magistral. Donc eh bien écoutez, j'espère que vous aimerez cette vidéo parce que c'est vrai que c'est un format un peu spécial puisque là c'est un format où je vous fais voir des photos. Mais j'étais obligé de faire cette vidéo pour vous faire partager un des plus beaux moments que j'ai pu passer bah, depuis longtemps, vraiment. Allez, eh bien écoutez, comme on dit chez moi, Merry again, et n'oubliez pas. Il faut venir l'année prochaine, ça c'est clair. Allez, ciao les amis. Et merci à tous ceux qui étaient présents cette soirée. Vraiment, 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 vraiment. Merci beaucoup, merci à vous. Vous êtes vraiment tous géniaux, tous humains. Voilà, j'ai que ça à dire, tout simplement. Et Alex, il faut que tu reviennes. C'est pareil. Allez, ciao.